Oh, c'est trop nul. On pourrait pas commencer à chercher les vraies pièces du rétrécisseur maintenant? Ce n'est pas une cour de récré. Si tu n'es pas prêt à affronter ce jardin, tu nourriras les cafards. Est-ce que tu sais seulement ce que c'est? Bien sûr. Il y en a toute une colonie qui vit dans le placard de mon prof de dessin. Ça, c'est quand t'étais grand. Bienvenue à Miniatureville, où un seul cafard peut écraser ton endosquelette d'un simple coup de pain. Et si tu trouves qu'ils sont méchants, attends de rencontrer Adila. C'est quoi un Adila? Tu le découvriras bien assez tôt. Concentre-toi, Zach. Maintenant, lance grappin. Non, le grappin, pas la vola. Le grappin. Raté. Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Oh, et il persévère dans le ratage. Je vais gérer. Là, c'est moi qui commence à avoir le cafard. J'aime beaucoup cette expression humaine. Les hurlements, mon second bruit préféré. Mon premier étant splash. Entendrais-je un splash? Aurais-je cette immense chance? Non, maman, je n'étais pas en train de faire la fête avec les coccinelles. J'étais en train de... servir des miettes de croûte de pizza au resto Divi Scarabée. Oh, cette fois, je suis fichue. Puisque je te le dis, c'est tombé du ciel. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas naturel, ça, j'en suis sûre. Pas naturel? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne peux pas le manger. Tiens, tiens, tiens. Voilà l'occasion d'empêcher maman de me tomber sur le thorax. Mais reste tranquille, Zach. Alors, après ça, on ira chercher les pièces du rétrécisseur, les vraies pièces du rétrécisseur, pour qu'on puisse redevenir grand. Pas si fort. Si Adila venait à comprendre ce que peut faire le rétrécisseur, qui sait quelles horreurs elle pourrait imaginer? Qui est cette Adila dont tout le monde n'arrête pas de me parler? C'est une super méchante. C'est une moustique qui a été écrasée il y a bien longtemps. Grand-père a essayé de la sauver, mais elle n'a pas vraiment apprécié. Un miroir! Qu'on me donne un miroir! Oh. Oh. Je suis affreuse! Oh. Depuis ce jour, elle est devenue la terreur du jardin. Elle se moque pas mal de ceux qu'elle écrase, et je ne parle que des insectes qu'elle aime bien. Génial! D'accord, j'ai compris. Cafard méchant, Adila bien pire. Hé! Hey, les amis! À manger! Et des nouvelles, les fourmis rouges, elles n'arrêtent pas de parler d'un gros truc métallique qu'elles ont trouvé. Oh, peut-être que c'est une pièce du rétréci bidule. Dis donc, tu partages? Mais bien sûr, Zach. Ah. Waouh! C'est quoi ce truc? J'en sais rien, c'est tombé d'un oiseau. Je voudrais tellement redevenir grand. Trouve les pièces et moi je ferai le reste. Oh, et Glouteur, emmène Zach. Nous verrons si mon calibrage est correct. Yes! Zach, le champion, à la rescousse! Cette fois, c'est sûr, ça ne pourra pas être pire. Bien sûr, ils ont besoin de ces pièces pour réparer la machine. Alors, grand-père et petit bonhomme veulent redevenir grands? C'est notre cas à tous! Cette fois, c'est un rêve qui devient réalité. Maman, qu'est-ce que tu mijotes encore? Écoute, ma chérie, les humains nous ont toujours détestés, attrapés, écrasés. Ils s'amusent avec nous comme si nous étions leurs jouets. Ouais. Je pourrais aller nager un peu dans la flaque. Voyons un peu comment grand-père et les autres humains se débrouillent avec un moustique de leur taille. Je retrouverai ces pièces avant ces misérables nains de jardin. Tu sais que j'ai horreur de ça. Envoie Hurlu et Berlu chercher les pièces du rétrécisseur et le petit rejeton du grand-père, vivant et en un seul morceau. Vivant, ce n'est pas ton genre. Quand son cher petit-fils sera sous mon emprise, le vieux fou fera tout ce que je lui dirai. Et je lui dirai, incline-toi devant Adila, maîtresse incontestée du genre humain. Laissez, je m'en occupe. Je vais utiliser le charme légendaire du bon vieux Zach. Très bonne idée, parce que celui du nouveau Zach est nul.
Moi, humain. Moi, vouloir chose dure, chose grande. C'est qui ce petit rose? Et pourquoi il me parle comme un idiot? Essaie de l'excuser, vieux. Tu connais les petits humains. Écarte-toi un instant, gamin. Vous n'auriez pas trouvé un drôle de truc en métal? Bien sûr, Sid. On l'a jeté quelque part. Hé, attendez, vous n'en voulez pas? Règle numéro 1, petit rose. Nous ne gardons que ce qui se mange. Oh, fantastique! Ça me plaît! Règle numéro 2, petit rose, tout un prix. Les règles des fourmis, petit rose, à apprendre par cœur. Mais j'ai rien à échanger. Toi, non. Mais lui, oui. Hein? La première pièce du rétrécisseur pour le prix d'une crotte d'oiseau. C'était mon déjeuner. S'ils s'envolent tous vers le sud comme l'année dernière. La fourmi est contente, nous sommes contents. Les moineaux ne migrent pas, le cycle de la vie. Tout ce que je sais, c'est qu'avec cette pièce, j'ai déjà une chance de plus de pouvoir me tirer d'ici. Alors, Zélie, qu'est-ce que tu racontais au sujet de ces grands méchants cafards? Jacques, derrière toi! Regarde Berlu, c'est la guêpe, l'escargot et la grosse chenille. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Mais où est-ce qu'on va? Ça a été facile. On n'était pas censé ramener deux choses. Peut-être, mais tu sais, une sur deux, c'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est genre un succès à 70%. Et ça, c'est presque parfait. Et c'est presque parfait d'être presque parfait. Parfait. Oups, j'ai failli t'oublier, toi. Mais si on faisait demi-tour, on pourrait... Épargne ta salive. Jacques, reste à l'écart des cafards. Mais attendez, ils ont pris la pièce, ils ont pris notre pièce. On peut pas les laisser nous faire ça. Bien sûr que si. Ils font ça. Sans arrêt. Je suis d'accord avec Glouter et Zélie, Jacques. On perd une pièce, je garde ma coquille. Vous venez, les amis? Vous savez quoi? Vous avez raison. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire, mais si vous avez raison aussi à propos d'Adila, elle obtiendra ses pièces. Elle contrôlera le rétrécisseur et dominera le monde comme King Kong. Et ce sera un monde où personne, qu'il soit humain ou insecte, n'aura envie de vivre. On est peut-être des minables, des trouillards, des perdants, des... Ça va, on a compris. Tant mieux, parce qu'on n'a pas le droit d'échouer. Cette fois, on va devoir viser très haut. Ça, c'est pas facile quand on est au ras du sol. On ne peut pas se permettre de renoncer. Ensemble, on peut y arriver. Qui est avec moi? Non! Espèce de tas de muscles sans cervelle! Il me fallait la pièce et... C'est affreux, petit garçon! Oui, et travailler nos deltoïdes. Oh, j'adore dire deltoïde. Oui, deltoïde. Oui, oui. Deltoïde. Deltoïde. Ah oui, je sens leur puissance. Je crois que vous avez quelque chose qui nous appartient. Eh bien, viens y chercher. En avant, les gars! Ouais, c'est parti! Par ici! Ouais, je l'aime bien! Enfin! Presque! Pas tout à fait! À la prochaine! Oui, bien dit! Vous nous suivez? Attention au décollage! Alors, qui c'est les plus musclés? Restez en ligne, les cafards! Alors, comment tu vas t'en sortir? Plus vite! Oh, c'est pas vrai! Va te cacher! Je tiens l'hélico! Oh, pitié, tu peux faire mieux que ça! C'est pas encore fini! Concentration. Quoi? Alors c'est toi, Adila. Heureux d'avoir fait ta connaissance. C'était fantastique.
Vous avez une idée de nom pour notre équipe? Vous avez gagné cette fois, mais vous n'arriverez jamais à me battre, espèce de... d'insectible! Salut maman, je passe un super bon moment, je me suis fait de nouveaux copains, j'ai rencontré quelques petites brutes aussi, mais c'est bon, je peux gérer. Pouce levé, petit smiley, je t'adore, tac.